Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est 8h52. J'ai pas rangé l'aspirateur. Enfin chérie a pas rangé l'aspirateur, c'est lui qui l'a utilisé. Ben voilà, il va rien se passer aujourd'hui, je suis crevée. J'ai été me coucher à 1h30 du matin parce que j'ai terminé Lucifer. Déjà, donc il faut que je regarde ce que je vais regarder maintenant. Il y a les Lost Girls qui sont sortis sur Prime. Il faut que je regarde s'ils sont français, je pense. Je me demande si je vais pas me retaper ça, ça fait hyper longtemps. Je vous les conseille à 1000% si jamais vous avez jamais vu. Voilà, et si vous aimez comme moi tout ce qui est fantastique, enfin pas féerique, fantasy et tout ça. Donc pour mon petit week-end, j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait une vidéo DIY et je suis pour l'instant très fière du rendu en sachant qu'il n'est pas terminé vu que j'attends ma commande Chine qui va arriver maintenant, enfin tout à l'heure, et AliExpress. J'en ai pas besoin pour AliExpress. Mais il faut que je tourne ma vidéo gourmandise, puisque c'est la maison gourmande, la Candy House. Je voulais filmer en vidéo, donc je vous montre pas le rendu ici. Comme ça, vous irez voir la vidéo, tout simplement. Je voulais programmer logiquement pour le 29 mai. Mais je risque de la mettre plus tôt, je ne sais pas. Puisque là, j'ai Madame Glam qui m'a proposé de choisir de nouveaux 4 VSP. Donc, il faut que j'attende de recevoir ça. Est-ce que je déplace? Je ne sais pas. Mais comme je vous ai filmé un autre DIY, je ne peux pas vous en caser 15 000 sur la semaine. Donc, j'essaye d'éparpiller. Mais voilà, je suis vraiment contente du rendu. Là, je suis en train d'en faire une pour DJ. Et après, je vais attaquer une petite maison. Pourquoi je suis floute? Une petite maison pour Alice, la copine de Sam. Voilà. Je vais zoomer un peu. J'espère que ça lui plaira. J'attends de voir le petit pour lui donner la maison de Mickey. Mais ça tombe bien vu que j'ai commandé qu'un exemplaire, mais c'est un petit gobelet. Vous verrez ça dans le hall que vous avez déjà eu ou pas. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir AliExpress. Normalement. Attendez, je fais quel vlog? Normalement, vous l'aurez eu samedi si j'ai bien reçu AliExpress, sinon ben, vous l'aurez plus tard. Et j'ai commandé un petit espèce de gobelet milkshake, comme ça, avec deux petits donuts qui font un peu comme les oreilles de Mickey. Donc comme ça, je vais lui coller en plus sur sa petite déco. Voilà. Et donc, le samedi et le dimanche, j'ai fait que du DIY. Samedi, j'ai refait ma colo juste avant le live que j'ai fait avec DJ. Donc, je vous le remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. On s'est encore une fois bien fondu la gueule. Et entre-temps, la PS4 de Georges est décédée. Paix à son âme. Monsieur nous a fait une grande dépression nerveuse. Donc, du coup, on lui en a cherché une autre dimanche. Et chérie a été lui chercher... Ben, dimanche, on en a pris une d'occasion parce que comme il veut s'acheter la PS5 après son job étudiant cet été, on lui en a pris une d'occasion et au pire après monsieur peut la récupérer pour la mettre en bas pour si jamais il veut jouer. Il joue très rarement à la PS mais il a quand même acheté quelques jeux donc si jamais... Donc ils ont été chercher ça. Moi le matin j'ai filmé l'Alphabet Challenge F que je suis en train de... Je vais attaquer le montage là maintenant. Et j'ai fait une sieste de plus ou moins 4 heures. J'ai pas fait de sieste le samedi, parce que Riley m'a empêché de dormir le samedi. Pourquoi, je ne sais pas, mais elle voulait pas dormir. Pas moyen. Et en plus, j'ai été me coucher, et comme maintenant on est le printemps, j'ai rouvert la fenêtre non-stop dans la chambre. Donc du coup, il y avait une voisine qui était en train de bricoler, elle faisait tout tomber. De temps en temps, son mari ou elle utilisait une espèce de disqueuse ou un truc comme ça, donc impossible de dormir. Donc bah, du coup, je suis descendue et j'ai continué mes petits DIY en regardant Lucifer, que j'ai terminé hier à 1h30 du matin. J'avais envie de voir la fin. Je voulais pas aller me coucher, donc j'avais pas vu la fin. Normalement, ce matin, je devais pas me lever pour l'école, donc je me suis dit, je peux rester au pieu. Si je me lève à 8h, c'est génial. Et non, à 6h15, j'étais réveillée. Donc j'ai très peu dormi.
Donc je vais pas filmer aujourd'hui. Enfin, je vais pas filmer. Je vais filmer une vidéo ongle. Je vais crash tester les trucs de chez que j'ai commandé sur dans le dernier haul Shein, notamment les foils et les magnettes. Je vais regarder si je fais la pose américaine. Il faut que je regarde si j'ai encore de la gummy base parce que je ne sais pas si j'en ai recommandé ou pas. Voilà. Et j'aimerais bien déjà tourner le room tour tant que le bureau reste rangé et propre. Comme ça, je peux déjà tourner le room tour et après j'aurai plus qu'à faire l'intro ou trop une fois que je serai avec une phase plus correcte. Là j'ai mis un bandeau parce que j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens vu que ça fait 2 jours que j'ai mes couettes et enfin mes tresses et que je dors avec et tout. Donc j'ai les bébés cheveux qui partent de partout et tout ça. Donc vous voyez pas encore le résultat de la couleur, quoique ça fait quand même des jolis reflets. Donc voilà, vous verrez ça quand j'aurai défait mes tresses, mais demain j'aimerais bien tourner la vidéo Alphabet Challenge G Gourmandise pour pouvoir récupérer les accessoires pour coller sur mes maisons. Comme ça j'ai terminé ça. Et du coup, comme je mets une perruque, je vais garder les tresses jusque demain. Et voilà, je les enlèverai. Mes cheveux seront bien ondulés. Hein. Ça va nous faire des ondulations de folie. Hein. Parce que 3 ou 4 jours de tresse. Voilà. Bipost. Oui, c'est pour me dire que je reçois mon colis Chine aujourd'hui. Ouais, c'est bien ça. J'aimerais bien recevoir AliExpress aujourd'hui aussi. Comme ça, limite, demain, je peux tourner le haul. Alors, il en est où? Oh, ça va, il n'est pas tout prêt encore. Il a la zone industrielle. J'ai encore un peu de temps. Voilà. C'est tout pour mon petit week-end. Moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai principalement fait du bricolage et l'hiver. Voilà. Le résumé de mon week-end, c'était un peu ça. Donc là, j'ai déjà monté 2 réels. J'attaque le montage de mon Alphabet Challenge. J'ai le DIY à monter et j'aurai fini tous mes montages. Donc c'est pas mal. Je pense que déjà, depuis 6h30, j'ai déjà bien bossé. Un peu à droite à gauche, que ce soit pour la maison. Je me suis démaquillée correctement aussi parce qu'hier, j'ai oublié. Alors j'avais la face bien colorée avec de la colle à fossile partout. Je me suis démaquillée avec des cotons et du biface et après avec des lingettes pour bien tout enlever. Et je leur donne toujours un coup de baume démaquillant puisque c'est ce qui démaquille le mieux hein, avec une microfibre humide après. Mais sauf que là ben, j'avais complètement oublié. Et il faut que je trouve quoi faire à manger ce soir. J'ai pas beaucoup d'idées. À moins que je négocie avec Kenzo pour que ce soit lui qui fasse. Mais bon. Quand je lui demande de faire à manger, il me dit oui. Et puis après, il change d'avis. Donc. Voilà. Ah, j'ai la notif comme quoi demain c'est l'anniversaire de la mort de mon papa. Mais oui, déjà. Déjà. 5 ans. C'est ça, hein? 5 ans? Ouais, 5 ans. Ça passe très vite. Le temps passe très vite. La semaine dernière, je ne l'ai pas vu défiler. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que j'étais un peu pas bien il y a un ou deux vlogs en arrière, là, que j'avais pas trop le moral. Là, pour l'instant, ça va. J'ai la fatigue qui prend le dessus. Donc, quand je suis fatigué, je ressens rien, en fait. Sauf les douleurs. Mais ça, j'ai l'habitude maintenant. Ouais, donc aujourd'hui, ongles. Room tour, j'aimerais bien finir mes montages, avancer sur la maison DJ, en commencer une pour Alice. Donc je pense que c'est déjà un bon programme. Plus bon, bah, ce qu'il y a à faire dans la maison, bon, je ne saurais pas nettoyer aujourd'hui, faudrait bien, mais je ne saurais pas aujourd'hui. Quand je suis fatigué comme ça, les douleurs c'est encore pire. Donc si je nettoie en prime, je ne vais plus bouger dans 2 heures. Donc ça sera pour demain. Enzo vient de rentrer. Ouais. Je crois que là on peut déjà switcher 2 jours. Hein. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai mal l'oreille. Je crois que je suis en train de tomber malade. J'ai un ganglion là qui est en train de pointer le bout de son nez. Qui est bien gonflé. J'ai mal à l'oreille. Donc je sais pas si je suis en train de tomber malade ou si j'ai un problème avec mes dents ou mes gencives. J'ai pas mal donc je ne sais pas. Bon. Bref,
Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Je crois pas. Bon, bah du coup, sur ce, on se dit toujours. Alors, il est 9h06. Je viens de tourner ce make-up. Là, je vais aller tourner le room tour. Il faut que je prenne ma machine. J'attends le facteur pour mon haul AliExpress. Enfin, pour ma commande AliExpress. Comme ça, je peux vous tourner le haul que, du coup, vous avez déjà eu et que je vous remets en barre d'infos. Attendez, je reprends le bon mois. Oui, c'est ça. Vous l'avez eu hier. Donc, je vous le remets en barre d'infos. Je suis en train de préparer un DIY donc pour Alice, la copine de Sam. Et en parallèle également, je prépare un petit DIY pour mettre le cadeau de DJ pour son anniversaire. J'ai vachement de l'avance, hein, j'ai un mois d'avance, mais comme ça c'est fait. Et comme je vais recevoir AliExpress, je vais pouvoir terminer. On fera certainement ça tantôt ou demain ensemble. Mon grand pan. Il faut que je débarrasse la table, comme ça je le mets sur la table et je colle tous les petits gugus avec vous. Ouais, ça peut être sympa. Hier, j'ai ma belle-sœur qui est passée avec mon beau-frère et elle nous a amené notre cadeau, alors un mois à l'avance. Mais notre cadeau d'anniversaire de mariage de nos 10 ans, ça me touche parce que c'est toujours la seule à y penser. Mais je vais vous montrer au téléphone, c'est juste magnifique. Elle a toujours des super belles idées. Hein, l'année dernière, elle nous avait offert un cadre miroir. Elle s'était juste trompée d'année. Voilà, elle a mis 2015 à la place de 2013 pour l'anniversaire du mariage. Cette fois-ci, elle ne s'est pas trompée. C'est bien. Et en parallèle, j'ai donné donc la maison de Mickey au petit. Et j'étais trop touchée par sa réaction. Je vous mets tout de suite, j'ai filmé, j'ai mis en story Insta. Regardez. Regarde, Tata, elle t'a fait quelque chose, viens voir. Voilà, viens voir. Bah, viens, c'est bon, tu peux ouvrir tes yeux. Viens voir. Oh viens voir, regarde. Tu peux aller voir. Mais... C'est pour mettre dans ta chambre. Ouais, t'aimes bien? Encore un petit peu des films. T'aimes bien? Oui. C'est beau? C'est bien fait? C'est une décoration. C'est pour mettre en déco dans ta chambre? Oui. De grand? Si c'est pas trop mignon. Il était super content. Voilà, ça m'a beaucoup touché que ça lui plaise autant. Le waouh au début, c'était vraiment. J'étais contente. Voilà. J'aime bien quand je fais des trucs comme ça, que je passe du temps comme ça, que ça fasse plaisir aux gens. Je sais que Manon, je lui ai fait une petite maison que vous avez vu le. Donc vous allez avoir le DIY bientôt en vidéo. J'en ai fait une pour elle aussi. Et comment? Rien qu'en lui envoyant la photo. Elle a trouvé ça trop beau, donc voilà. Quand ça fait plaisir comme ça, franchement, ça fait plaisir de les faire. Parce que moi, je consacre énormément de temps pour faire ce genre de choses, justement. Et tout le temps que je fais cette chose-là pour une personne en particulier, je pense à la personne. D'ailleurs, j'ai tiré au sort hier la gagnante qui est Nénette Renan, je crois. Donc j'étais bien contente, j'ai pas eu énormément de participation parce que c'est pas le genre de lot qui vous intéresse le plus, mais. Oh, elle est montée. Mais voilà, au moins les quelques personnes qui ont participé avaient une chance de gagner le DIY que j'ai fait. Je pense que je le ferai de temps en temps quand je filme un DIY parce que j'ai tellement d'idées que le problème c'est que je peux pas tout stocker chez moi. Enfin, je peux pas tout exposer chez moi, quoi. Voilà, je vais pas avoir que des petites maisons partout dans ma maison, quoi. Vous voyez? Donc, je pense que je le ferai de temps en temps parce que j'ai plein d'idées. Il y en a que je veux faire pour moi, pour garder comme mon fond Halloween et tout ça. Mais par exemple, j'ai pensé faire le château Disney, la maison de Vaiana, la tour de réponse. Enfin, vous voyez, ce genre de choses aussi, une maison de Hobbit. Mais après, moi, ça m'éclate de les faire. Mais je peux pas tout garder, quoi. Vous voyez? Peut-être le carrosse de Cendrillon. Enfin, vous voyez, tous des trucs comme ça. Mais c'est pareil, je peux pas tout garder, quoi. Vous voyez? Donc, un carrosse de Cendrillon, pas con, ça. Attendez, je le note. Là, c'est ma liste de tous les DIY que j'ai envie de faire. Hein. Carrosse. Cendrillon. Ça peut être très beau et très chouette à faire. Ça sera un truc que j'aurais pas encore fait. Donc, ouais.
J'ai fait mes ongles hier. Alors, je voulais vous faire une vidéo où je crash-testais les foils que j'ai achetés chez AliExpress. Chine, pardon. Avec la colle AliExpress. Sauf que hier, j'ai eu un mal de crâne toute la journée. J'en pouvais plus. J'avais mal la tête toute la journée. Mais comme j'avais plus rien sur mes ongles, il fallait absolument que je les refasse. Parce que je supporte pas d'être toute nue d'ongles. Donc, du coup, je voulais pas avoir le spot dans la figure. Et tout ça pour atténuer la douleur, hein, pour pas me faire trop mal. Donc je les ai fait en regardant, j'ai entamé The Walking Dead. Voilà, je savais pas trop quoi regarder, j'ai fini Lucifer. Donc coucou, oh mes petits bébés, oh qui sont mes petits bébés, bonjour, bonjour. Je vais vous les montrer 5 minutes, tiens, tant qu'ils sont dehors. Donc j'ai juste fait avec les magnettes et ben, je vous montre aussi, j'ai testé sur mon pouce toutes les formes. Hein, donc voilà, vous avez toutes les formes ici. Voilà, et franchement, je trouve ça super. Maintenant, celui que j'ai utilisé, je pensais que ça... Attends Ryan, j'arrive. Je pensais que ça allait faire vraiment un quadrillage, mais ça fait ça. Donc je vais essayer de vous montrer. J'ai un poil. Donc ce que j'ai fait une fois dans un sens, j'ai catalysé et j'ai remis du catalyse et j'ai refait dans l'autre sens. Donc j'ai mis une fois le magnète dans ce sens-là et une fois dans ce sens-là. Vous voyez, comme ça et comme ça. Et voilà ce que ça donne. Écoutez, bah, j'aime bien. Voilà. Et les autres ont franchement un chouette effet. Et pour le faire, j'ai utilisé de chez Indigo Nails le Sugar Mama. Donc ça c'est... oui, je me mets sur le côté parce que je ne sais pas combien de temps ça dure les petites vidéos des magnettes. Et j'ai mis le Elite 99 4505. Voilà. Donc voilà pour maison. Alors je vais vous montrer, je vais faire rentrer tiens, vous montrer un petit peu les titis et je vous montre le cadeau que j'ai reçu de ma belle-sœur. Bonjour vous, c'est qui est là? Je vais utiliser ça. Ryan est en train de finir la gamelle de la petite. Coucou! J'adore quand ils boivent. Bonjour mes petits bébés. Bonjour, bonjour mes petits bébés. Riley, oh bah oui, mais Riley leur fait peur. Tu viens dire bonjour? Oui, j'entendais bien que ça grignotait. Bonjour. Ça va mon petit bébé? Bonjour mon cœur. Bonjour mon petit cœur. Non, non, tu sors pas. Hein. Non, 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 tu peux venir. Non, tu me mords pas non plus. J'ai rien à me donner à manger. Aïe, arrête, petit con. Oh. Ça c'est Suzy, la mordeuse. Non, ça a l'air d'être Silver. Oui, on a aïe. On a un peu de mal à les différencier tous. Mais te mets pas si près. Sinon, tu vois pas. Bonjour. Non. Oh merde. Bon, gros souci, il va s'en mêler les griffes et en plus il mord mon pull. Ah non, c'est Suzy parce qu'elle essaye de se barrer. Bonjour, mes petits bébés. Allez, rentre dans la cage, dépêche-toi. Non, dans la cage. Hein. Bon, je ferme avant que ça fugue. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc pour mes oncles, le 4 size. Ah ben là, vous allez peut-être bien voir. Les foils, je veux dire. Impossible à coller. Je sais pas pourquoi. Impossible à coller. Ça faisait des patchs dégueulasses et tout. Riley, Riley, laisse-les tranquilles. Oh, il saute après. Descends. Descends. Non. Descends. Non. Allez, déchetue. Hein. Tu restes assise. Tu restes, hein? Non, descends, assis. Tu restes assise. Elle se fait opérer, je dis, madame. Non, descends. Faut que je fasse la cage et le tour de la cage. Hein. Descends. Assis. Elle reste pas. Hein. Elle va ressauter après. C'est ce que je disais. Descends. Elle est têtue comme une bourrique.
Hey, briquet. Descends. Assis. Non? Assis. C'est bien. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a à mon propos? Ah, tu montes. Donc voilà, je disais, elle est de nouveau en train de les emmerder. Hein. Ouais, impossible à coller, ça faisait vraiment pas beau sur l'ongle, sur la dentelle du moins. C'était très fade. Riley! Oh. Arrête, il me fait peur! Il monte dans la cage au lieu de rester là en bas où elle peut te voir. Hein? Ici au-dessus. C'est maman. Bah oui, pourquoi tu me gueules dessus? C'est maman. Ah, mais arrête de me mordre, moi je t'ai rien fait. Allez, descends. Oh, j'ai tellement jalouse. Donc voilà, bon, bah écoutez, les foils, c'est encore pas très concluant chez moi. Hein. Je crois que j'arriverai jamais à en poser. Les noirs holographiques avaient l'air un peu plus de se coller. Donc j'essayerai la prochaine fois, mais comme c'est tout noir en dessous aussi, c'est pas juste la partie holographique en fait qui se colle. Donc j'essaierai, mais sur un vernis noir, quoi, vous voyez, classique. Voilà. Et là, j'ai Madame Glam qui m'a déjà renvoyé, vu que j'ai envoyé le lien de ma vidéo, qui m'a déjà renvoyé pour choisir 4 VSP. Je lui ai demandé le noir en plus. Comme ça, j'ai le noir en plus, quoi. Puisque j'ai fini le mien de chez Ongle 24. Voilà. Elle est de nouveau en train de monter après la cage. Donc je vous montre le cadeau de ma belle-sœur. Voilà, elle nous a offert une toile comme ça, deux âmes fusionnées en un seul cœur plein d'amour. Et elle s'est pas trompée d'année. Oh, elle m'énerve. Voilà, je trouve ça très beau. Il est très grand hein, par rapport au PC. Voilà, franchement, c'est vraiment joli et ça me touche parce que c'est toujours la seule à y penser. Bon, allez, je vais fracasser Riley.
Alors, il est 10h moins le quart. J'ai bien avancé hier. J'ai plus de batterie dans mon appareil. Il faut que je le remette à charger. Il me reste à coller les fleurs, la mousse et quelques petits cailloux pour faire plus réel. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais aller chercher mon marchepied parce que je pense que là, je suis un petit peu petite. Et puis, voilà, je terminerai ça tantôt, ce soir, je ne sais pas. Il faut que je prépare aussi tout pour la stérilisation pour aller chez le véto demain avec Riley. Voilà. J'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui. Si j'ai fait ma commande Shein ce matin. Voilà, 95 balles encore. C'est des fringues cette fois-ci. Et le Cerbère. J'ai commandé le Cerbère. J'ai fait un plateau, bon, je vais vous montrer comme ça. En plâtre, donc je vous avais dit hein, pour poser justement mes petits bonhommes là. Donc voilà ce que ça donne. C'est un couvercle en plastique, vous savez, des tartes et tout ça. J'ai collé des petites bouboules en dessous. Là, je l'ai pas en blanc, mais je vais le peindre en noir juste après. Et je mettrai une bombe, de la bombe pailletée dessus. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ça. J'ai plié mon linge ce matin. Il faut que je demande à un des garçons de me le monter quand il se lève. Donc, bah, je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant et on verra tout à l'heure si je continue ou pas, si j'arrive à terminer. Je vous montrerai quand ce sera terminé. Donc, donc, je dézoome un peu pour que vous voyez mieux. Ça, c'est donc la première partie. Donc, ici, j'avais collé de la corde pour cacher le pli du carton. Alors, il y a certains endroits où ça craquelle, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, c'est la maison. J'ai mis un petit hibou, un papillon. Ça aussi, il faut que je continue à mettre. J'ai mis des petits osios, les petites jarres, petits sapins. Alors, oui, les arbres sont beaucoup plus petits que le saule qui est de l'autre côté. Mais bon, voilà, je fais avec ce que j'ai. Voilà, j'ai mis ma petite Gugus là, avec le petit chien. Le petit chat, je l'ai mis là, après le poteau. C'est trop chou. J'adore. J'ai mis des lapins. Donc les Bambis, vous aviez déjà vu. Voilà, là il y a le petit hérisson. Ici, j'ai collé donc les petits canards et les flamants roses dans la mare, plus ces trucs-là que Manon m'avait donné qui font comme des roseaux. Attendez, je recule un peu. Hop là. J'ai mis le petit écureuil ici, puisque ça peut aussi faire office de un peu marmotte ou un truc comme ça. Voilà, ici j'ai changé, donc du coup j'ai mis un gobelet et un petit gâteau que j'ai acheté. Voilà, pour les petits flamants roses, les champignons et tout ça. Les arbres font joli, hein. C'est dommage qu'ils sont si petits par rapport ben, à mon saule. Mais bon, ça va quoi. Donc ici, vu qu'il y avait le terrier, j'ai mis un petit lapin, j'ai mis quelques petits lapins par-ci par-là. J'ai mis un petit oiseau sur le puits. J'ai mis la petite famille de licornes. Magnifique. Et j'ai mis une chouette dans l'arbre. Voilà. Et je trouve que ça rend très bien. Là, je vais mettre un peu de mousse sur le puits. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Je ne sais pas vous faire une vue d'ensemble, hein, mais voilà. Ça, vous voyez un peu ce que ça donne sur mon meuble. Bon, bien sûr, il faut que j'enlève les décos qui sont derrière. Quoi qu'avec le gros Bambi derrière, là, j'aime bien, ça donne bien. Donc celui-là, je pense que je vais le laisser. Mais il faut que j'enlève les décos qui sont derrière et que je refasse encore une fois les poussières parce que avec le poêle à pelée, ça fait plein de poussières comme ça. Mais voilà. Donc là, il me reste à coller quelques petits cailloux, la mousse, les fleurs et puis j'aurai terminé. Je suis bien contente. Et j'ai également fait, j'ai commencé la maison pour la copine de Sam, donc je l'ai fait comme ça. Et là, j'ai juste fait en papier mâché, donc j'ai collé du papier mâché sur mes boîtes, j'ai peint le fond et puis voilà. Après, je vais pouvoir m'amuser à la décorer aussi. Donc, j'ai de l'occupation. Là, les chiens sont en train de faire le catch dans le jardin. Ah non, Ryan est tout seul, je ne vois plus Riley, j'ai perdu un chien. Donc voilà ce que ça donnera en gros hein, derrière. Mais il faut quand même que je termine. Et je suis en train de faire la maison en bonbons de DJ. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai pas mal d'occupations. Tout ça en regardant The Walking Dead. Finalement, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. J'avais peur que ça tire trop en longueur et que ce soit trop redondant. Mais franchement, pour l'instant, j'aime bien. On va voir. Voilà.
Ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Faut que j'aille ranger mon bureau parce que j'ai monté quelques trucs que j'ai posés sur mon meuble. Donc ça aussi, il faut que j'aille faire. De toute façon, il faut que j'aille chercher ma peinture noire. Ouais, et je vais voir ce que je vais faire après. Il faut que je saccage des titis aussi. J'ai plein de choses à faire, mais j'ai une flemme. Oh, je devais chercher après un kiné. Je ne sais pas comment faire. Demain, chérie, en congé, du coup, vu que Riley va au veto. Je vais voir. Là, je suis fatiguée. Pourtant, j'ai bien faim, quoique je suis montée me coucher à 1 h du matin. Non, minuit et demi. Minuit et demi. Et je me suis réveillée à 7 heures. Donc, j'ai un peu mieux dormi que d'habitude. Mais je dors pas assez. Grosso merdo, quand même, quoi. Enfin, bon. Ouais, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Ouais, je crois pas. J'ai du montage en retard aussi. Je vais peut-être me tirer du poil. Donc voilà, bah écoutez, je vous remontrerai ça quand ce sera fini. Je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui, je pense, hein, parce qu'une fois que je commence un truc, j'aime bien le terminer. Et voilà. Ouais, je vous reprendrai tout à l'heure. Il est 9 h 33 et on a été déposer Riley chez le veto pour qu'elle se fasse stériliser. Donc. Ça a été dur, dur de la laisser pleurer la pauvre petite papette. Et on devra la récupérer après 14 h. Entre 14 et 19 h, elle m'a dit si vous venez comme vous voulez. Donc à 14 h, on sera devant la porte, je pense. Et ouais, elle va faire la fête, hein, une fête de fou. Elle va nous sauter dessus, elle va pleurer. Elle tremblait dans la voiture, la pauvre pépette, hein, elle avait peur dans la voiture. Donc ouais, j'ai hâte d'aller la récupérer. Je crois. Ça va faire drôle là, les 4 heures sans elle là. 4 h 30 même. Bon. Voilà, donc hier j'ai fini mon DIY, je vous montrerai ça en rentrant. J'ai fini aussi le plateau pour mettre mes petites décos gothiques là. Donc je vous montrerai ça en rentrant aussi. Et voilà. Donc je vous reprends quand on est à la maison. Parce que si je ne sais pas ce que ça va donner le son. Mais je voulais vous montrer qu'il y avait un petit peu de soleil. Ça fait du bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc, il est 10 h 10, on vient de rentrer, on a rangé les courses, je vais prendre le linge de Georges, mais avant, je vous montre ce que ça donne ici. Donc voilà, ça prend tout le dessus de mon grand meuble, là. Voilà. Celle-là, vous allez bientôt voir la vidéo. Ça, c'est celle de DJ. Alors, je vais vous montrer un peu plus en détail. Attendez, je monte sur mon petit marchepied. Donc là, j'ai fait la petite maison avec au-dessus, j'ai mis un petit hibou, des petits osios parce que je les trouve trop kiki. Les rideaux. Ici en dessous, j'ai mis la petite nénette là avec le petit chien, des petites décos ici sur le côté, les lampadaires. Ici j'ai mis une petite lampe, le petit chat, il est trop beau. Mes Bambi, il y a un petit lapin, un hérisson, des champignons. Voilà, puis j'ai mis des fleurs. À côté, attendez, je recule, hein. Il y a donc le petit kiosque là que j'avais fait, que vous avez montré. Ah, le chien. Sur la table, j'ai collé un petit gâteau et un petit gobelet. Finalement, j'ai enlevé celui que j'avais fait moi-même. Pareil, hein, là, j'ai mis le petit écureuil, les petits canards, les champignons, la mousse, des fleurs. Ça, pour faire comme des roseaux, j'adore. Voilà. Et la dernière partie, je recule. Donc, il y a mon grand arbre. J'ai mis des papillons dedans et encore une chouette. Ici, il y a la petite famille de licornettes. Oh, le bébé est trop choupi. Voilà le puits. J'ai rajouté un peu de mousse, un oiseau par-dessus, des cailloux et des champignons devant, des petits lapins devant le terrier, des arbres et tout ça, tout ça. Et je trouve que ça fait très, 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 très joli. Attendez, je recule, je recule, je recule. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça beau. Mais j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai hâte d'attaquer celui d'Halloween. Oh bah tu fermes. Ils étaient en train de faire des gâtés à leur papa. Oh, ceci Gougou. Il y avait Luna aussi. Bonjour mon Gougou. Ne saute pas, hein. Coucou. Moi, j'arrive pas à aller jusqu'au-dessus, là. Ça va mon gros Gougou. Tu niaques papa? Tu niaques papa? Vas-y, niaque-le. Niaque-le. Mors papa. Mange-le. Bonjour bébé Luna.
Bonjour ma baby. Tu viens dire bonjour. Bonjour ma baby. Bonjour ma petite bébé. Tu viens dire bonjour papa. Bonjour ma petite bébé. Ah, il clignit derrière. Bonjour ma mémé. Bonjour ma mémé. Bonjour ma petite fille. C'est à moi qu'elle est une des trois, mais elle aime beaucoup son papa. Bonjour ma petite fille. Et là, ils veulent descendre. Donc voilà ce que ça donne, ma petite déco un peu slash gothique, comme ça, je sais pas trop comment expliquer, avec la lune derrière. Bon, vous voyez pas bien les détails de la lune, mais ça donne super bien. Et le plateau, ça fait super beau aussi, avec les paillettes comme ça dessus, j'aime beaucoup. Donc j'ai commandé le griffon, le cerbère. Donc je sais pas comment je les installerai après, mais je pense que j'en remettrai un ici devant. Voilà, comme ça j'aurai les 5. Bon, après il y a plusieurs modèles encore, hein. Il y a le cobra, il y a d'autres chats, mais c'est vraiment les modèles que j'aimais, donc voilà. Et je trouve que ça donne très bien. Et pour mon petit rangement DIY, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas s'il y aura encore du changement ou pas, mais voilà. Ici en dessous c'est tout ce qui est fleurs, et là c'est tout ce qui est verdure. Ici toujours les coffrets et les papiers. Là c'est un petit peu de tout en fait, hein, qui peut me servir... pour plein de choses. En dessous, c'est les pompons et les plumes. Ici, les peintures, dont les Amazon derrière que je surkiffe. Ici, je ne sais plus. Là, c'est les guirlandes lumineuses. Derrière, les paillettes et les masking tape. Des gugusseries. Je crois que j'en ai assez, là. Oui. Hein. Gugusseries, papillons, trucs en bois, tout ça. Perles. Et là... il n'y a pas grand chose dedans, des étoiles. Voilà. En dessous, c'est encore une boîte avec tous des perles, des strass et compagnie. Donc là, je pense qu'on est pas mal pour le rangement. Là, c'est tout ce qui est papier crépon et je crois le lot de papier là. Je pense que je suis bonne pour le rangement. J'aime beaucoup. Voilà. Et au moins, j'ai tout qui est en haut. Bon, après, c'est chiant, je dois tout redescendre à chaque fois, mais ça traîne plus au moins sur la table et c'est très bien comme ça. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à attendre que ce soit l'heure d'aller chercher Riley. Faut que j'aille faire la cage des Titi et nettoyer. J'ai fait tourner son panier, faut que je le fasse sécher aussi. Et nettoyer à la javel pour éviter les bactéries sur sa plaie. Donc ben je vais faire ça et puis ce sera déjà presque l'heure d'aller la chercher. Donc voilà voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure un petit coup dans la voiture pour vous montrer comment ce qu'elle va à chaud juste après l'avoir récupérée. Et je vous montrerai un peu mieux demain son état. Oui, j'ai une sale gueule. Hein, Et la semaine prochaine, genre, je suis en congé pour 15 jours. On les compte. Allez, sur ce, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer Riley. Alors, je vais pas parler trop fort parce que il est 4h30 du matin. Voilà, je suis réveillée depuis 3h à cause de Riley. Après, elle est pas en super forme encore. Je sais pas si vous la voyez pas. Mais elle va bien, voilà. Bon, allez, on sent qu'elle a quelques petites douleurs, hein, on le voit. Elle a déjà pris son antidouleur ce matin, donc ça devrait aller mieux. Là, elle emmerde les chichous. Donc c'est que tout va bien. Riley! Alors, le gros problème, c'est ça. C'est que la veto m'a dit que je devais éviter qu'elle ne fasse des efforts. Qu'elle monte et qu'elle descende des canapés, du lit, qu'elle joue de trop et tout ça, mais on ne sait pas contrôler. Le fait qu'elle chipote à sa truc, ça va encore. Donc j'ai pas besoin de lui mettre la collerette. Je l'ai, hein, au cas où, mais la collerette, elle va la défoncer. Et puis ce que je vais faire, je vais juste couper un bas de pantalon de leggings que je mets plus, que moi j'utilise pour faire mes chiffons pour quand je fais de la peinture. Et je vais lui mettre pour la nuit, parce que la nuit, elle a tendance à se lécher quand même un peu. Mais sinon tout va bien, elle a 7 jours d'antibiotiques et 5 jours d'antidouleur. Et voilà, c'est des fils résorbables tout seul et la cicatrice devrait être assez minime. C'est vraiment, il y a 3 cm. Donc ça s'est bien passé. Quand on a été la chercher, la pauvre, elle faisait pitié. On avait l'impression de l'avoir abandonnée. Pourtant, la veto m'a dit qu'elle avait été super calme, qu'elle n'avait pas trop bougé, qu'elle n'avait pas aboyé, pas pleuré, rien. Donc ça m'a beaucoup étonné. Et voilà pour Riley. Tout va bien. Je vous donnerai encore des nouvelles dans le prochain vlog, hein, au fur et à mesure.
Le plus gros problème, moi, c'est monter et descendre du canapé, quoi. Mais la veto m'a dit qu'elle risquait une éventration, donc qu'il fallait vraiment éviter. Comment l'empêcher de monter sur le canapé toute la journée, quoi. C'est coton. Là, je pense que je vais mettre des chaises pour qu'elle évite de monter trop dessus aujourd'hui, mais elle adore dormir dans le canapé, donc c'est embêtant. Friday, doucement, tu vas te faire mal. Voilà, alors, hier, craquage, encore. Donc j'en ai quand même eu pour 150 balles sur Chine, hein, voilà. Parce que j'en avais pour 95, mais j'ai refait une deuxième commande quelques minutes après parce que je m'étais trompé dans un article, donc du coup j'ai recommandé plusieurs articles, hein, c'est normal, quoi, normal. Et hier, j'ai craqué, sur Vinted. Je me suis pris la Blue Blood et la Alien de Jeffrey Star, puisque comme ils étaient trouvables chez Nose pour vraiment une bouchée de pain, ça a vachement fait descendre les tarifs, quoi. Donc la Blue Blood, j'ai trouvé à 17 euros, elle a juste il y a quelques fois qu'on était switché, et la Alien à 30 euros et elle est neuve. Voilà. Donc c'est les deux palettes que je n'avais pas encore, que je voulais absolument acheter un jour. Donc c'est chose faite, vous aurez des swatches de make-up. Mais pas la semaine prochaine, je pense que je les aurais pas encore reçus à temps. Donc ça, on verra, ça sera pour la semaine d'après. Je pense que la semaine d'après, vous aurez une semaine complète de vidéos. Voilà. Donc là, le planning de la semaine prochaine, c'est une palette à make-up lundi. Mercredi, mon room tour, puisque j'ai enfin fini mon rangement. L'Alphabet Challenge, j'ai pour gourmandise que je vais tourner tout à l'heure. Voilà, là je vais faire mon teint tranquille, comme ça une fois que je suis parti à l'école, je peux aller filmer. Et samedi, en bonus, soit le Hulchin, si je le reçois un petit peu à l'avance, comme ça arrive souvent, soit un Daily Well. Voilà, et dimanche, le blog. Comme ça, vous avez le planning, et moi je vais pouvoir vous laisser, puisque bon, il est 4h30 du matin, donc voilà. J'ai envie de filmer très tôt pour pouvoir me reposer après. Hier, j'ai bien avancé aussi sur mes montages puisque j'ai pas pu faire de sieste. J'ai pas arrêté hier. Donc voilà, aujourd'hui, je suis un peu vannée, j'ai mal partout. Surtout que j'ai pas fait de sieste et que j'ai fait le ménage. Plus tout pour Riley. Donc j'ai lavé son panier, j'ai tout nettoyé. On a été faire 2-3 courses. Voilà, une journée. J'ai vraiment pas arrêté hier. Je n'en pouvais plus. J'avais mal partout le soir. Je n'en pouvais plus. Voilà. Bah écoutez, là aujourd'hui c'est le dernier jour d'école de Georges. Après il a 15 jours de congé. Bon, après ça m'empêche pas de filmer le matin puisque eux ils roupillent, hein, donc c'est pas eux qui sont chiants le matin. C'est plus les animaux puisque je dois attendre qu'ils rentrent, qu'ils mangent, qu'ils aient fini, qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela. C'est eux qui m'empêchent le plus de filmer que les enfants. Ouais, mais aujourd'hui je vais quand même essayer de tourner, j'ai 3 vidéos de prévu, donc je vais essayer de faire ça, comme ça je prends un petit peu de l'avance, et voilà. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un petit bout de bois, je crois. Voilà, là je vais faire mon teint tranquille, comme ça quand Georges part à l'école je peux aller filmer tout de suite. Et comme ça je finis tout mon filmage et tout ça. Et je suis toujours sur Walking Dead et j'ai bien avancé. Hein. Je suis à la saison. C'est quelle saison ça? Saison 3. Je vais avoir fini la saison 3. Je suis au dernier épisode là. Je suis au 13 et il y en a 15, je crois. Ouais, c'est... Non, 16. Voilà. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc. Ça me déplaît pas, même que c'est l'histoire de mon vivant, c'est pas trop mon kiff. J'aime bien. Bon, il y en a que j'ai juste envie de voir mourir dans d'atroces souffrances. Hein. Comme le gouverneur pour l'instant là. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Ouais, j'avais rien d'autre à vous dire. Je vous ai donné des nouvelles de Riley qui est en train de bouffer un truc, je ne sais pas quoi. Elle va monter dans le canapé. Ah non, elle va dans le canapé là-bas. Je vous ai dit pour les palettes Jeffree Star sont vitées. Après, il faut que je me calme. Voilà.
Donc, bah écoutez, sur ce, parce que je suis très momole hein, à cette heure-ci, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain en vidéo et le reste de la semaine au planning classique, normalement. Et bah moi, j'ai plus qu'à vous dire de passer une bonne semaine et bisous, bisous!